Vanité de vanité, poursuit du vent. À combien sert-il à l'homme de tout gagner sur la terre et perdre son âme? Tout ce que tu peux faire pour ton corps un jour, ton corps te décevra quand même. Nakusala nini kona tutu na silikosala tutu yosenga kina iye lamba tutu abesa kyo tutu yosenga kina imasanga tutu abesa kyo tutu yosenga kina iwa tuni tubana kuti saki. Asile loyo toto, toto, oke ina lilita. Opesi mata mesite, anyoso, asale liyo. Toto na mai. Toto sena kina ibasi ya pembe pesa kiyo Tosena kina ya mwindu ya mokuse ya molai pesa kiyo Osa ya nzoto sena kina ii toto salela kiyo Asile loyo toto toto umpeina lilita. Pessing at a messy tear, and your soul is suddenly you. To turn a light, to turn a light, to turn a light, to turn a light, to turn a light. Chichato, bilamba, mokuse, toto, pesa kiyo. Motoka ndenge na ndenge ya shere, mwesher toto, pesa kiyo. Toto senga kinga ikabelo e, toto, pesa kiyo. Ma voyage kili kili posa na yo, toto, asale la kiyango. Asile loyo toto, toto, oke ina lilita. Opesi ngata mersite, anyoso, asale liyo. Toto nanga, toto, oke singa soni. Nakosala nini pona toto nanga, nasili kosala pena lumi. Nakosala nini pona toto nanga, nasili kosala pena lumi. Toto sena kinga inyo soe, toto, napesa kiyo. Toto sena kinga ibana e, toto, bota kibango. Toto senga kinga ibambongo, toto, pesa kiyo. Kinuma o senga kinga toto, sala kiyango. Kuibato kuluna senga kiko, toto, sala kiyango. Kuesproke bato tango nyoso, toto, nai, pesa kiyo. Kuboma bato tango nyoso na bututu na moyi toto sala kiyango. Asile loyo toto toto
Ina lilita Vesinata versite Nanyoso Sale liyo Oh, zoto nana Toto Okisi maso Zoto nana yi Zoto nana yi Zoto nana yi Zoto C'est ce que je passe. Yeah.
Yesu O sukola sukola motema nangai onabika Yesu Yesu O sukola sukola motema nangai onabika Yesu Yesu O sukola motema nangai onabika Kolo Tina molimo na yo akamba bomoi na ngai Molimo na yo kolo asala na ngai Angengi sanzela na ngai tango iso Atambwisa bomoi na ngai solo tango iso Ngana mona loboko na yo na bomoi na ngai Au nom de Dieu, pour recevoir la vie éternelle, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Une fois qu'il a fini en Moscou, il est rentré.
Beaucoup. Quand il est rentré, au départ, il devait travailler dans l'armée. Parce que ce qui, en fait, à l'époque, le Congo avait passé d'informaticien. Et là, on devait les intégrer dans l'armée. Bon, ils ont refusé parce qu'on ne pouvait pas les mettre en tant qu'officier. Et c'est là où il a intégré aussi l'office congolais d'informatique. Il a travaillé en tant qu'ingénieur, informaticien. Comme c'est une technologie qui évolue, il voulait bien poursuivre. Il est venu maintenant en stage en France et en Suisse pour poursuivre toujours l'informatique, le monde du système de données. Et après, il est resté. Il a travaillé, comme tout le monde. Donc, c'est quelqu'un, il est toujours rassembleur. Il n'aimait pas la division. Même quand il y avait des divisions dans la famille, il était toujours là pour rassembler tout le monde. Donc aujourd'hui, il est parti. Il est parti le 6 avril, hein, à l'hôpital Robert Boulanger. Il a souffert. Il est resté pratiquement 6 semaines à l'hôpital, au coma artificiel. Ce n'est pas évident. Et là, il est parti le 6 avril à 1h35. Donc c'est pour ça qu'on est venu aujourd'hui, pour l'accompagner. Je sais que pour nous, c'est difficile. C'est vraiment difficile de perdre quelqu'un comme vous, qui était toujours là. Parce que vous savez, nous, on est une grande famille. Mon grand-père, il a eu 28 bosses. Et aujourd'hui, au niveau des petits-enfants, on est plus de 300. Donc, il y a toujours des connards dans la famille, mais toujours là pour rassembler. Que ce soit ici, que ce soit à Brazzaville. Vraiment, c'était quelqu'un vraiment. Il pensait pas seulement à lui, il pensait à tout le monde. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on perd quelqu'un de très cher dans notre famille. Vraiment, encore, je vous remercie de votre présence. C'est tout ce que j'avais à dire que concernant mon père. Avec le Christ, il a traversé la vie et la mort. Il vient de vivre son passage. C'est déjà sa Pâque, un jour il ressuscitera. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Que l'espérance nous donne en plénitude à la paix et dans la foi, et qu'il nous habite dans sa présence. Jésus a dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Comme vous avez reçu la lumière le jour de votre baptême, nous allons refaire le même geste aujourd'hui. Les petits enfants, s'il vous plaît, approchez. Seigneur,
qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Mes bien-aimés, parce que nous aimons nos frères, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Celui qui n'aime pas reste dans la mort. Voici à quoi nous avons reconnu l'amour. Lui, Jésus, a donné sa vie pour nous. Et aussi, celui qui a de quoi vivre en ce monde, s'il voit son frère dans le besoin, sans se laisser raconter, comment l'amour de Dieu pourrait-il demeurer en nous? Mes enfants, nous devons aimer. Non pas avec des paroles et des discours, mais par des actes et en vérité. En agissant ainsi, nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité. Et devant Dieu, nous aurons nos cœurs en paix. Notre cœur aura beau nous accuser, Dieu est plus grand que nous. Et il connaît toutes choses. Dans ce cas, pour nous aussi,
Le Seigneur vous invite aujourd'hui à méditer le sens de votre vie. Et les lectures que nous venons d'entendre tout à l'heure, choisies par la famille, évoquent qu'est-ce que nous devons faire sur cette terre. Passer de la mort à la vie commence avec tout acte d'amour, parce que la vie éternelle et l'amour sont inséparables. La vie de celui qui vient de nous quitter est parsemée de tous ces moments d'amour qu'il a su partager, et ce sont autant d'étincelles d'éternité. La biographie, tout à l'heure, évoque que c'est un père de famille disponible aux autres. Il était très aimant, très attaché aux siens. Un chef de famille très dévoué, qu'il s'agisse de la famille proche ou élargie, il prenait toujours le temps de venir en aide à ceux qui s'adressent à lui. Et jusqu'au bout, il restait fidèle à ses convictions religieuses. Nous demandons au Seigneur de recevoir notre cher défunt dans son cœur, dans la vie éternelle. Et pour nous aujourd'hui, nous sommes encore là. Chacun de nous a une mission sur cette terre de continuer à semer l'amour, la paix, le pardon. Notre monde aujourd'hui a besoin de cet amour, de cette paix, de cette bienveillance. Au cours de cette prière, frères et sœurs, demandons la grâce de Dieu, le pardon de Dieu et sa paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Élargissons notre prière par cette prière universelle à la mesure de la charité du Christ et présentons au Père toutes nos intentions, les intentions de tous nos frères et sœurs dans le monde. Que le bien qu'il a fait porte ses fruits et soit continué, et que son souvenir soit vivant dans nos cœurs. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui ont perdu un être cher et qui doivent vivre avec une place vide à leur côté. Donne-leur, Seigneur, de marcher avec courage sur la route de la vie. Qu'ils trouvent près d'eux la famille et les amis qui leur tiennent fraternellement la main. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui connaissent la souffrance, la longue maladie, la dépendance. Que Dieu leur donne courage et force, ainsi qu'à ceux qui les accompagnent. Que les hommes apprennent à s'aimer les uns les autres pour que ta paix règne. Mets la paix au cœur de chaque homme. Notre Seigneur. Amen. Dans la confiance, nous osons dire la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à
défunt comme il n'est plus parmi nous, il a achevé son passage sur la terre des vivants. Maintenant, je vous invite, les parents, pour les témoignages, je vous assure. Nous n'avions pas de lien de sang. Mais chaque moment passé en ta présence a toujours été agréable. Grâce à ta gentillesse, au sens de l'écoute, au sens du partage et ton sourire, que je n'oublierai pas et qui me manquera. Tu m'as toujours fait sentir comme un membre de la famille et je te remercie pour ça. C'est une fierté de t'avoir appelé la vie. Reposons-le. Comme je vais t'appeler, c'est avec le cœur étreint d'une douloureuse émotion que je voudrais te rendre un vivant hommage. Je sais que tu as toujours été là lorsque l'on avait besoin de toi, de résoudre le problème de la famille. Merci pour tout. Je sais que le monde me manque. Adieu, l'enfer repose en paix. Papy, je ne vais pas beaucoup te manquer. Je t'aime de tout mon cœur. Je voudrais ne pas avoir passé plus de moments avec toi. Tu as été un grand-père doux et exemplaire. J'espère que tu as veillé sur nous. Le ciel repose en paix. Pensons à tout ce que notre ami est pour nous, Seigneur Jésus, durant sa vie. Tu n'as cessé de l'aimer pour ce qu'il était. Tu viens de l'accueillir pour ce face-à-face, non pas avec la mort, mais avec la vie. Ta tendresse l'a soutenu au long des jours. Tu l'as rendu capable d'accomplir tant de gestes et de paroles remplis d'accueil et d'amour. Aussi maintenant, prends-le avec toi. Dieu, j'ai la vie aux yeux de Dieu. Voici l'enceinte qui monte vers toi, Seigneur, comme l'offrande d'une vie. Son amour, les souffrances et les joies qu'il a traversées.
prends-le auprès de toi avec tous ceux qui ont déjà fait le passage de la vie. Quant à nous qui sommes confrontés à l'absence de celui qui nous aimions, relève-nous, Seigneur, de notre tristesse et maintiens-nous dans la confiance puisée auprès de nos amis et auprès de toi. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils mort et ressuscité, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. L'eau qui lave et qui guérit, voici l'eau qui est une plongée dans la mort du Christ pour ressusciter avec lui. Nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciterons. En signe de cette foi, nous allons bénir le corps de notre cher défunt. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. À la suite de la famille, on va venir témoigner de votre respect, de votre amitié. À cause de la situation sanitaire, chacun fera le geste qui lui inspire sa conviction profonde. Ce peut être marquer un temps d'arrêt, s'incliner, toucher le bois du seul cueil, déposer un signe de croix. Et nous remercions les personnes qui voudront bien déposer une offrande dans le corbeau de l'Église à la fin de cette célébration pour la vie de notre paroisse.
gagné. J'ai gagné. J'ai gagné. J'ai gagné. J'ai gagné. J'ai gagné. J'ai gagné. Pouvoir chacun prendre une rose pour voilà prendre la direction du cimetière que vous pourrez déposer auprès de lui. Donc je vous laisse voilà chacun prendre une rose et puis vous diriger vers le cimetière. Et Zalaki, na roi moko puissant. Azalaki na mwana na emoko, kombo na ere soleil. Azalaki boyika, kesima ya kufa na ye. Mwana oyo akorite tron. Mokolo moko balali balamuki. Mwana oyo akufaki. Et Zalaki pasi pe bolosi na mitema. Liwa ayebi kola moter. Soki liwa ebaki mbongo. Bariche bakupakate, ne bakondi bakupakate, sokili wa eba kibongo, ne papa nanga kupakite, mama nanga ya kupakite, ne yaya nanga ya kupakite, ye ye, holy wa e, eye mi bongo te, eye mi koli misate, eye mi elakate, eye mi bakondite, eye mi semane. Aussi nombreux pour entourer comme de votre amour, de votre tendresse et lui signifier à quel point il comptait pour vous. Avec mes collègues, nous allons maintenant procéder à l'animation. Et puis à notre suite, vous pourrez accompagner comme jusqu'à sa dernière sépulture et déposer une fleur ou faire tout autre geste que votre cœur vous guidera. Merci beaucoup. Zoto nangai,
Sotre malaï, salila y passe. Adieu.
pas charlé pour moi. Ce serait comme pas de baba. Yes.
C'est bon? Non, mais t'as pas lâché, mais...
Les assiettes, ça coupe, il fallait peut-être 5, pas plus. Hein. Thank you.